Les amis, après je ne sais pas combien de mois sans événements sur la chaîne, c'est enfin le retour pour les événements et vous le voyez derrière moi, Sneaker Corner 2ème édition, aujourd'hui à Calais. Vous voyez, petit événement bien intimiste comme on les aime. En plus de ça, en France, vous allez me suivre aujourd'hui pour ça. J'ai pas forcément d'achat prévu, j'aime bien l'Air Max One Crêpe, je crois que c'est Crêpe Hemp Marron, je sais plus c'est quoi le nom, que j'avais déjà remarqué à l'événement à Londres, mais on va voir si on fait des achats ou pas. En tout cas, on va voir s'il y a des petites choses qui sont sympathiques. Et la différence de d'habitude, c'est qu'aujourd'hui je le fais en vlog. D'habitude, j'ai quelqu'un pour me cadrer. Et là, bon, j'ai décidé de le faire tout seul et on commence directement avec les chaussures que vous voulez voir, avec la petite taille, je sais plus forcément le nom, et à chaque fois je vous donnerai les prix de ce qu'il y a. Je pense que c'est plus facile si je vous montre directement ce qu'il y a. On a un gros stand avec de la Paris juste là qui est bien sympathique. Alors à chaque fois j'ai bien l'impression que c'est DS, vous connaissez mon amour pour ce genre de semelle incroyable à ville lumière, mais la paire n'était pas si folle. Des Dunk, en veux-tu en voilà. Ah, on a des choses un petit peu différentes avec la Diadora juste là que je connais pas forcément, la Jordan One Low, même si c'est pas celle que moi j'aimerais et que j'aimerais avoir avec la plateforme. Et on a des paires plutôt sympas, de la Sifo, juste là, de la Pollen, non, de la Taxi, je crois, pour mon pote, hein, fan de BW, bien cool. Par contre, j'ai pas forcément les prix, faudrait peut-être que je demande à la limite. Ah, ça, par contre, c'est une paire que j'aime bien, c'est du 45. Excuse-moi, t'as le prix de cette paire là? C'est environ, tu saurais pas vers combien il le vendrait. Il est dans le jus, je vais le laisser tranquille. Et ça, c'est à toi? Ouais. Par contre, ça, c'est top paire. Allez, porter un peu ou juste c'est le. La prochaine qui va sortir, t'as hypé ou pas? La Into the Spider-Verse, je sais pas quoi là. T'aimes moins que celle là? Bah, après, est-ce que ça va pas faire bouger les cotes? Ah, moi, je trouve que celle là, c'est l'une des meilleures. Combien tu l'avances celle là? Celle-ci, elle est à 900 euros, ça aussi, hein. Tu la vends à combien celle-là? Celle-ci, elle a 250. Ah, c'est pas si cher, je pensais que c'était plus cher que ça, non, tu vois. Non, en fait, ça va varier au niveau des tailles. Ok, beau petit stand, et ça, c'est à toi? Ça, c'est au collègue. Une petite para, Friends and Family. C'est incroyable. Très, très belle, elle a la petite taille, du coup, sur celle-ci. Merci, mon frérot. Alors là, on a un stand de choses qu'on voit habituellement en événement. Je vous montre un de la Dunk juste ici, de la Chicago. On a également, je crois que ça, c'est de la LeBron, la Dunk LeBron, qui était sortie il n'y a pas très longtemps. J'aime bien la semelle. À chaque fois, toujours le même truc qui me fait kiffer les paires. Et on a la paire, justement, que je cherche, c'est ça que je disais. La petite Crêpe Hemp, qui est incroyable, mais je pense, je suis sûr même que c'est pas ma taille, mais la paire, elle est trop trop folle. Je suis trop deg de ne pas l'avoir eu, par fait l'effort de l'avoir prise quand elle était en promo, je crois. Je suis obligé d'en parler. On a de la petite Jordan Monlo, je sais même plus le nom, je crois que c'était. Bon, on va l'appeler la Rose, je sais même plus le nom qu'elle avait. Et après, il n'y a que des paires un peu classiques, comme vous le voyez juste là. Alors, bon, on va en parler parce que c'est mon coloris préféré all time, hein, et j'en suis obligé d'en parler. On a les deux meilleures paires. Les deux meilleures paires que j'ai à la maison, Toasted Found qui est juste là, et on a bien évidemment cette paire de fou, hein, qui est à 650 euros, Travis Fossil, incroyable, juste la plus belle de Travis. Ah, je connaissais pas ça, je connaissais pas du tout cette Dunk, que des choses qu'on va pas forcément nous apprécier. Alors pour mes frérots fans de New Balance, on va être obligé d'en parler. À 300 euros la petite protection pack rose, et la protection pack bleue on va voir à 350 euros, mais vous savez que c'est pas forcément les trucs qui m'intéressent le plus. On va le montrer, on va le montrer, on est obligé. De la Dunk Panda juste là. Bon, la Dunk Panda, autant vous dire qu'on en a un petit peu marre, un petit peu tous marre, et toujours pas de Jordan Wall. On a que de la Dunk ici. On a que de la Dunk. J'ai pas trop regardé les prix. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire plus attention à ça. Ça me fait penser obligatoirement au custom de Théos, hein. 200 euros en taille 47, la petite Air Max One. Et Théos, justement, je vous mets les images à l'écran, il a mis un petit Lacoste ici. La paire est juste incroyable. Ça, c'est pareil, hein. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir la Pata, la Magma, qui est très très cool, hein, qui est hyper sympa. Je sais pas, elle est à combien? Elle est à 200 euros taille 46. J'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Petit stand de custom. Bonjour, messieurs. Bon, qu'est-ce que tu nous présentes? Déjà, je suis content, t'as fait un custom sur Jordan One Low. Nous qui sommes pareils. Un petit peu celle-là. Là, la dernière, c'est la Dunk avec les gros lacets. Ok. Et t'es plus dans le dessin que dans la création d'un coloris même, ou... Dans le dessin, je suis pas trop dans le dessin personnage, etc. Okay. Toi, au contraire, moi je suis plus dans le design. Ok. Tu vas me dire là, le Red Bull que t'as fait, tu l'as fait à la main? J'ai une machine. Je me suis dit là, si tu sais faire ça à la main, t'es très très fort quand même. Je pense que les plus grosses paires que j'ai fait, c'était. Vas-y, montre-moi la. NordVPN. Quoi? Ah, j'ai fait une paire NordVPN et Villebrequin, tu vas voir, tu vas briller. Ouais. C'est NordVPN qui m'ont contacté pour le GP Explorer. T'es une star. Bon, l'écran il est bien dégueulasse. T'inquiète, t'inquiète. Ah, elle est stylée de fou avec le logo Villebrequin. C'est pour le GP en fait, okay. Directement. Et là, celle de Pierre. Directement gravée, etc. Elle est stylée de fou, wesh. Et la deuxième paire où je suis plus fier, c'est celle pour IE. Ok. Mais là, si je clique dessus, c'est une vidéo par contre. Donc, directement pour Need for Speed. La Magma, juste demander si elle est négociable. Bonjour. Est-ce que le prix il est négociable sur celle-ci ou pas? Pas du tout. Ça, c'est cool, ça. Ça, je connaissais pas. Ça, c'est une deck bien sympa avec du velours côtelé là. Je saurais pas vous dire le nom. Avec. Putain, mais elle a plein de détails, cette paire, elle est cool. Bon, la paire que moi je trouve dégueulasse, la petite Air Max One Safari, que moi je suis pas fan. Je trouve que la Safari, c'est pas très beau. Je comprends qu'on puisse aimer. Alors là, les gars, toutes les semaines, il y a une super
superstar sur ma chaîne. Là, je vous dis, c'est même pas une superstar, c'est une gigastar. Ça va ou quoi? Ah là 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 là. Ça va et toi? Ça va. Comment ça se passe? Très bien. Ça va? Moyen pour l'instant. Comme un événement, quoi. Comme un événement. Oh là là, mais non, mais c'est un malade. Ça, c'est des trucs que t'as déniché sur Vinted pour pas cher encore. Que dire ça? La ceci, c'est pas moi, c'est mon pote qui est là-bas. Ok. Il a acheté sur Vinted DS jamais porté. Ok. 50 balles, c'était mentionné chaussures de tennis. La Doreen Baker juste là, et la Travis. Chamber of Fear. Ok. Et so Supra. J'ai récupéré la Supra il y a. Stylé. Il y a au moins 2 ans. Stylé. Travis, Cause. Ça c'est une K54 Fragment. Non mais pardon. Non mais pardon. Attends, tu me fais plaisir. Pour une fois, tu te Jordan Wall. La Vodo elle est très belle hein. Et je crois qu'elle monte un peu en cote là de ce que j'avais vu. Elle a bien augmenté, ouais. Alors attendez, je vais regarder tout ce qu'il y a. Donc de la Chicago, de la Cortez, que j'avais même pas vu encore. Voilà, la petite Cortez. Attends. Comment c'est possible que tu aies une Friends and Family? Ça, c'est un truc qui, moi, me passionne à fond, c'est les PI et les Friends and Family. Comment c'est possible d'avoir une Friends and Family? Très compliqué à avoir. Mais l'histoire est incroyable. Là. Je la vois sur Vinted, elle okay. est à 100 euros. Alors, déjà, je me suis dit, c'est bizarre quoi. De ouf. Je regarde les étiquettes, etc. Okay. Je demande une étiquette de la taille. Là, je vois que c'est bon en fait. Je reçois la paire, je vérifie tout. Effectivement, la paire est authentique. Et là, j'ai posé la question à la dame en fait qui a vendu la paire. Elle m'explique que c'était à son fils. Il ne portait pas en fait. Mon fils est mannequin et il a fait partie du défilé K54. Ok, pas de boîte avec ça du coup. Pas de boîte. Très 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 fort, bravo. En attendant que tu nous trouves tout ça, je montre un peu les paires qu'il y a. Cassina, bien sympa en 42, 220 euros. La Jordan Firehead, enfin pas des paires anciennes, des paires portées. De la Firehead juste là, alors pour vous montrer les prix. Et je crois qu'on nous a retrouvé 200 euros juste ici. T'as retrouvé? J'avais caché le nom du vendeur, tu vois. Ah ouais, non, c'est fou ça, ah, c'est ouf. C'est dingue. Quand tu l'as trouvé, c'était maintenant ou jamais, genre incroyable. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Bravo monsieur, hein. De toute façon, on peut rien dire. Hein. Sache que lui aussi, on a récupéré une Friends and Family. Jordan 1 qui est 54, t'avais payé ça combien? 200 balles. Et la Chicago, tu l'avais trouvée à combien? Une Chicago pas chère, t'avais trouvé une. 55 euros une Chicago. Tu sais que je crois que c'est sur cette vidéo-là que je t'ai connu, je crois. Ah ouais, à l'ancienne. Après, là récemment, pour te dire, on chope des bricoles à droite à gauche, tu vois, des petites Jordan 1. C'est plus compliqué maintenant. Ouais, c'est plus compliqué. Après, il y a les bottes. Bon, c'est quoi les paires de ton stand? Ça va de ici jusque la patte bonnie. Ça, c'est la question que j'aime bien poser. Je dis toujours, genre, je suis déçu quand je vais en événement parce que c'est toujours les mêmes paires. Là, tu nous ramènes, genre, ça, j'avais jamais vu en événement. Je te sors n'importe quoi, ça, jamais vu en événement. Alors, déjà, est-ce que c'est ton stock? Parce que ça se trouve, c'est juste ton stock et en mode, t'as pas autre chose à proposer. C'est genre, tu te dis, bah, j'ai envie de proposer aussi des choses nouvelles aux gens, tu vois. Vu que j'achète principalement Vinted, bah, j'ai un peu de tout, tu vois. J'ai de la Jordan 4 à l'Air Force One, à la TN, à des paires de bivol, tu vois. J'ai même des paires de bivol là-bas, une Nitro. Ouais. Pour moi, il y en a pour tout. De la Dunk. Chicago, de la Dunk. Ouais, après, voilà. C'est ce qui est demandé. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'il faut en vouloir aux vendeurs de vouloir faire du chiffre ce jour-là, tu vois? Chacun fait son disque comme il veut, tu vois. C'est pas faux. Tu vois, de la métallique, dès que ça marche bien, j'essaie d'avoir des paires de cases pour mettre sur les tables. Combien tu la vends celle-là? 280. En 45, 280 euros. Ouais. C'est pas cher, hein? C'est ta taille. Non, mais je peux pas. C'était le prix en plus. Arrête. En 45, fais-moi rêver là, puisque apparemment t'as envie de me plumer. Donc la TN, c'est que j'ai pas de TN. Hein. C'est vrai. Mes élèves, c'est très fier de moi. Celle-ci, la Baltique, incroyable pour l'été. Elle est stylée, elle est stylée. Mais est-ce que ça m'irait bien ça? Pas sûr, hein. Je suis pas sûr que ça m'irait bien. C'est confort ou pas ça? Essaye. Bon, on n'a pas forcément trouvé de trucs chez Rémi. En face, on a des PR Givenchy, etc. Ça va pas forcément m'intéresser. Juste aller voir parce qu'il y a de la protection pack 1906R. Et ça, c'est le genre de truc qui peut vous intéresser. Elle est cool en vrai. Hein. Je l'avais jamais vue. Elle est bien sympa la 1906R là. Grise. Pas ma taille ça, par hasard. Non, c'est pas ma taille. Et fort heureusement. Passe en première personne pour vous montrer un petit peu les paires qu'il y a. Je suis très fier, hein, toujours. Hein. La petite Vaudou juste là. Tu souris, mais te jure que voir des Jordan One Low, ça me fait plaisir. Quoi. Oh là là, attends. T'as, j'ai un pote qui la cherche. Attends, parce que là, c'est peut-être le moment du siècle. Il y a un pote qui la cherche et ouais. C'est la taille qu'il faut. Il la prend, il m'a dit 300 balles max. Là, je vois, tu la vends à 350. Moi, je te dis 320 et moi, je fais 20 euros cadeau et toi, ça te permet de pas trop baisser ton prix. Allez, vas-y. Tu prends PayPal ou pas? Ouais. Alors, parfait. Donc là, Nelson. Trop non, mais c'est Nelson parce que il m'a dit, ouais, cherche cette paire-là. Nelson, 40 et demi, 350 euros. J'essaie de l'appeler en FaceTime. J'essaie de l'appeler en FaceTime parce que ça se trouve. Ça se trouve, il va me dire, non, c'est chaud et tout. Nel, ça vaut quoi? Bah, j'ai négocié cette paire là si tu veux, je te la prends. Attends, j'ai négocié à 320 et je paye les 20 euros pour toi. Elle est quasi neuve. Attends, je te montre. Tu flakes là? Non, vas-y, t'as dit 300, moi hier je t'avais dit 300, ça peut être cool. Si tu veux, tu la payes 300 et moi je fais la pointe. Non, c'est possible, vas-y. 300, tu la prends? Vas-y. 300 ou 320, monsieur? 320. 310 310 euros. Monsieur, 310 euros. Donne-moi le PayPal que je l'envoie à Nelson. Moi, je te fais un PayPal de 10 balles. Petite paire pour Nelson. Et en plus, je crois qu'il va en faire un custom. N'hésitez pas à aller voir sur son Insta. Il va montrer tout ça.
Je suis content parce que je vais repartir avec du contenu sans avoir lâché un euro. Je suis trop bien, gros. Je suis trop bien. Ça te dérangerait de garder la paire avec toi et que je vienne la chercher après? Si, merde. Merci en tout cas pour le cadrage. Allez, je suis un beau gosse là. Attends, montre-nous les paires que t'as ramenées aussi. Parce que t'as du 45. Mais j'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. Après, la JKO. Ouais, la JKO. La AJKO. Elle est longue. C'est du combien? 48? 52. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as un remix là. Mais pourquoi il a acheté ça, wesh? Non, il avait plus de place sur son stand. Ah, le salaud. Attendez, là, on a des vieilleries. La meilleure des Jordan 6. Arrête. Ah, mec, c'est la meilleure. Boutique, hein. La meilleure. Tu sais que je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir. En étant à la quête des paires un peu iconiques, Jordan 11, etc., il me faut la première de Jordan quand il a eu son premier titre, tu vois. C'est obligatoire. T'as des trucs là pour nous faire kiffer. True Blue qui va ressortir. Ah, c'est pas vraiment qu'elle ressort. C'est la Wizard qui sort et qui est pas forcément pareil. Non. Certainement pas ça au cul, quoi. Jordan préféré de Kobe. Ça, c'était très cool, ça. Quand c'était sorti, j'avais bien kiffé. La Chachico, ouais. Elle était très très sympa. Et après, je regarde ce que tu nous proposes. Fire Red. Très fort. Hein. Ça aussi, heureusement, je l'ai chopé quand elle est sortie parce qu'elle a pété de ouf. Elle a vraiment explosé. Et puis, bon, 2013, Jordan 1 Chicago 2013, qui est une high, même si on n'a pas l'impression, avec le Jumpman à l'arrière. De loin, de très loin, mec. La meilleure des Jordan 1 Low. Hein. Vous le savez, Starfish juste là. Et ça, je crois connaître, mais ça me dit rien actuellement, qui est très très sympa. Bon, on a fait à peu près le tour. On a fait le petit achat avec. Ah, c'est un ouf, Nelson. Attendez, mais parce qu'il m'a peut-être envoyé un message depuis là. On a envoyé une photo. Normalement, c'est bon pour le paiement. Vérifie quand même s'il l'a reçu. Le petit paiement a été fait. On viendrait chercher la paire tout à l'heure. Tiens, regardez. J'en ai pas parlé tout à l'heure. En 45. Il y a un petit Chicago 2013 là, en taille 45. On va revenir. Ah, si on lui négocie à 200, je pense que je la prends. On va voir. Bon, et ça, c'est pas mal. Hein. J'avais jamais vu encore en vrai la petite protection pack 1906R. Pour moi, qui la porte tous les jours, du coup, justement, au travail, elle est très très sympa. Vous la vendez combien 210. La petite fantôme, juste là. Combien 210 aussi, celle-là? Retail, c'est combien ça 180. 180, ok. Vous avez du 45 sur ça? Let's go. Je suis sauvé. Voilà ma dunk préférée. Ma dunk préférée, c'est celle-ci. La Halloween avec, bah, justement, à 120 balles. Elle est pas très chère. Ça, c'est une dunk que je pourrais acheter. La Military Black, la White Cement, et après on termine. Ah, il y a des trucs cool. Que moi j'avais revendu la petite New Balance. Ça j'aime bien. Hein. Franchement, je pensais pas autant aimer cette 1906R. En plus, c'est du 11,5. Vous vendez à combien celle-ci? Ah, c'est marqué en dessous. Pardon. À 200 euros. Ça peut être intéressant, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? La meilleure des patins. La orange à 300 euros. La noire à 320 euros. Et on a la blanche que j'avais eu moi retail sur le site Pata à 350 euros. Qui est très cool. C'est quoi ta préférée sur les patins? La Aqua, moi chez moi. Non, faut arrêter de me dire que la Aqua c'est la meilleure. C'est pas vrai. Non, c'est pas la meilleure. Il y a la blanche aussi. Pour moi, la meilleure, c'est celle-ci, gros. Non. Du coup, tu vois, là-bas, on avait plus des vieilleries. Là, on a des trucs un peu spécifiques. Là, toi, t'es vraiment sur de la GR, entre guillemets, grosses guillemets, nouveauté de la Dunk, etc. C'est ton stock ou c'est toi une volonté de genre vendre des choses que tu sais qu'ils vont se vendre un peu plus que d'habitude? C'est mon stock, et ouais, je fonctionne okay. Sur l'actualité. Ok. J'investis au fur et à mesure. Ok. Ça fait longtemps que t'es dedans? Un an et demi, là. Ça marche? Bravo monsieur. Je vais juste aller revoir le stand parce qu'il est un peu plus rempli, voir s'il y a des trucs un peu cool. Lena Vivas, c'est une star. T'as été invité et ton but c'est de faire quoi aujourd'hui? J'essaie de rencontrer les gens, okay. Acheter une petite paire. T'as acheté quoi? J'ai rien acheté. T'hésites sur quoi? Ah, la petite blazer off white là, elle est à combien? Elle est à 700 euros quand même. Frérot, il a acheté une petite paire là. Oh là 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 là. Tu l'as à combien? C'est un bon prix de fou, frère. C'est ton premier événement? Ouais. Alors? Franchement, c'est sympa. C'est mon 9e, je crois. Je commence à avoir une petite préférence pour ceux-là, là. Un peu plus intimiste. Quand tu vas à Amsterdam, ah, c'est chaud, hein. Mais c'est stylé aussi. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus par rapport à la fois. J'aurais bien aimé trouver une paire pour ma petite nièce. Hey, savez quoi? On va aller voir la Chicago. Ça y est, j'ai envie. Chicago 2013, du coup, que j'ai pas. Tu gères les prix, toi aussi, un peu ou pas? C'est à qui ça? C'est à moi. Là, c'est master négociation, là. Non. Frérot. Le prix. Mais il y a du heel drag et tout. Je fais genre, je connais. Fais voir, je vais montrer à la caméra. Les amis. T'as pas le droit, non. On va voir les prix StockX et tout, voir combien ça coûte, parce que je crois que c'est une très 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 bonne affaire. DS à ma taille, dernière vente à 459. Fais voir la boîte. Ah ouais. Elle est pas du tout négociable. Parce que c'est le prix que tu l'as acheté. Ah, je commence à rentrer dedans. Bah non, sinon je serais pas là. 230, je prends. Parce que c'est toi, hein, que tes abonnés viennent pas tous me demander ces prix-là, je peux pas. Ah frérot, là après, je sais pas comment ça se fait. 230 la Chicago. Allez, je te fais un PayPal. Hop, envoyer 230 euros à Florian. Parfait.
On a fait deux achats là. Déjà merci. Merci à toi. Redis tes sociaux, tes machins, tes trucs. Il n'y a que Insta. Il n'y a pas encore de. Insta et non, par contre, après par la suite, peut-être un site. Le frérot Remix, c'est grâce à lui si on est là aujourd'hui. Donc allez lui donner un maximum de love. Je dis que c'est grâce à toi, Remix, si on est là. Je vais vous montrer quand même les achats qu'on a fait. Alors attendez. Pour le frérot Nelson, la petite paire à 300 balles qui va custom. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son Insta. Et la petite Chicago qu'on a réussi à négocier et que j'avais pas. Là, c'est vraiment un achat pour la collection parce que ça fait pas mal de Chicago qui commence à être dans les placards. Hop! J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez kiffé et merci encore à l'événement de m'avoir invité et m'avoir permis justement de faire cette vidéo-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et si vous avez vu des petites paires sur lesquelles vous aurez pu craquer dans l'événement, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, je crois encore une fois pour un vlog. Ciao!